Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Et comme vous pouvez le constater, j'ai enfin changé de skin. Alors j'ai trouvé comment faire parce que j'avais pas le dossier Minecraft.jar. Donc j'ai en gros changé le pack, le skin du pack de textures que j'ai. Parce que j'ai encore changé le pack de textures. C'est le deuxième skin que je change, hein, donc voilà. Alors aujourd'hui, nous allons faire ça, le propulseur à TNT. Donc là j'ai fait les différentes étapes et je le referai cube par cube avec vous. Donc nous allons commencer tout de suite. Alors la première étape déjà c'est de poser un centre, hein. Voilà. Alors j'ai défini les différentes étapes par des laines de différentes couleurs. Donc là, centre. Après que vous avez fait votre centre, vous prenez le cube normal quoi. Vous faites deux d'écart et vous placez votre bloc. Donc 1, 2 et 3, vous placez votre bloc au troisième. Vous faites pareil pour les quatre côtés. Puis vous rejoignez tout avec pareil, hein, le même matériel que vous utilisez. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer un bloc gris ici, pas ici ou là. Ça ne marchera pas, tout simplement. À part si vous pouvez le placer là ou là, mais c'est... Je préfère comme ça, faut même que ça soit aligné au centre. Voilà. Donc après, l'étape suivante constituera à faire un tour comme ceci avec quelque chose. En gros, pour le faire, vous mettez un bloc comme ça, puis vous montez, puis hop, vous cassez celui-là, puis c'est bon. Là, vous avez juste à faire tout le tour du truc. C'est très simple à faire. Là, l'étape suivante consiste à mettre de l'eau au milieu. Alors mettez-en pas là. Mais ici, ça serait mieux. Parce que là, en fait, on va mettre de la TNT, donc ça enlèverait les sources. Là, on passe à la partie redstone, où il faudra mettre de la redstone autour, dans les deux niveaux, tout autour, hein, comme ça. Et mettre un bouton sur votre cube, là, pour activer. Puis après, bah, vous mettez votre TNT, voilà. Donc, il y aura aussi une partie test. Alors, moi, je me suis déjà donné un centre, hein, mais voilà. Donc je vais remettre les mêmes étapes, les mêmes laines pour les étapes. Donc voilà, j'ai fait mon centre. Après, je fais les bords. Hop. Donc 1, 2 et 3, c'est bon. Ensuite, je remets tout. Alors là, j'ai pas utilisé vraiment, c'est la laine gris foncé. Bah gris quoi. Ça fait longtemps que je préparais le tuto. Pendant les vacances, parce que... Je prépare des tutos à l'avance et puis en même temps bah je dois réviser, donc ça c'est chaud de faire des vidéos ces temps-ci, donc je m'excuse pour le retard, hein, mon grand retard. Alors maintenant je ferai des vidéos au moins 2 à 3 fois par semaine, parce que une vidéo par semaine c'est assez dur à garder le rythme quand même, je tiens à vous le dire, surtout quand on a les cours, parce que quand on n'a pas un temps libre maximal c'est fini quoi. Voilà, et au fait le let's play sur Jak and Daxter, je le laisse tomber parce que vous regardez pas du tout en fait. C'est ça le problème. Voilà. Donc là, nous en sommes à cette. On va reprendre quand même la petite parenthèse est finie. Alors là, vous en êtes à là. Moi aussi d'ailleurs. Voilà. Donc j'ai fait pareil que je vous avais expliqué tout à l'heure. Attends, on va. Attendez. Je vois qu'en grand fréquent, il est pas mal l'inventaire. Vous voyez déjà mieux. C'est cool parce qu'avant ça a niqué les yeux avec le blanc. C'est déjà le meilleur cran. Alors vous voyez, vous en mettez là, hop. Et là, voilà. Donc j'en ai pas mis là-bas, hein, ça sert à rien. Parce que quand. Bon, ça a fait ça, ouais. Bon, juste pour le fun, vous voyez, j'ai tout mis. Et si vous allez voir, quand je vais mettre la TNT, ça s'enlève. Donc voilà, j'ai mis l'eau, donc nous sommes à là. Après, on va passer à la position de la redstone. Donc vous mettez votre bouton ici. Et après, hop, vous placez toute votre redstone. Oh putain, j'ai encore ces bugs de souris, c'est affolant. Hop. Voilà, et le deuxième étage, on en met aussi tout autour. Alors pour faire... Waouh. On peut aussi faire un troisième étage. Voilà. Mais bon, après... J'ai dit, franchement, on va déjà jusqu'à la couche 720 au moins. À ce que j'avais vu la dernière fois, je sais même plus si c'était avec ça. Mais j'avais vu une couche où j'étais à 720. Imaginez, vous êtes en survie, vous souffrez. Donc voilà, nous en sommes là. Maintenant, on va poser la TNT. Donc en gros, là,
Ça a fini d'être créé, hein, vous voyez ce que ça donne. Alors on va juste poser un cube là pour pouvoir quand même mieux monter. Vous voyez qu'on peut monter maintenant. Alors vous pouvez faire pareil si vous voulez ou non. Et pour aller plus haut, je vous conseille de prendre une barrière et d'enlever le milieu. D'enlever le milieu et de mettre la barrière. Ça vous fera aller plus haut. Je sais pas pourquoi, mais explique. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Hein. Donc voilà. Alors après, vous avez passé votre TNT. Vous voyez que là, ça va couper la source d'eau, donc ça sert à rien. Hop, là, vous faites vraiment le tour. Et ici, vous en mettez vraiment tout autour, sauf ici. Parce qu'après, ça va pas marcher, puis ça va niquer votre truc. Après, si vous voulez recommencer à chaque fois, votre problème. À partir du château, puis qu'elle se propulse là-bas. Donc on va faire un petit time set 0 avant. Voilà. Donc. Ok, 6 minutes. Bon, vous allez voir. Hein. Je vais F3 pour vous montrer. Je sais pas si vous voyez. Là, on a 7500 pour le truc Y. J'essaie de voir si vous voyez vous. Je décale juste un petit peu la caméra. Vous voyez bien le Y. Voilà. Vous voyez le Y qui est là. 7500. Position 1. Donc voilà. Alors on va commencer. Vous pouvez vous mettre en F5 si vous voulez. Boum. On continue de monter. Ah non, on descend. Bah 432. Je sais pas où j'aurais vu mes 700. Oh purée, désolé. Attendez. Bon, déjà 400, c'est pas mal. Vous bourrez, c'est clair. Sachant qu'on part à 7500. 7,500. Donc F5, non. Non, merde, c'est F3. Ah oui, F5 aussi, il fallait. Et vous voyez que j'atterris ici, alors que là. Ouais, c'est pas. Aussi, la façon où vous partez, c'est aussi la façon de vous positionner. Donc si vous positionnez là, vous allez partir. Quand vous allez atterrir plus devant, vous voyez. C'est aussi une façon. Puis vous pouvez faire un alignement pour aussi faire genre une plateforme au-dessus, là. Ouais, je suis tranquille. Donc voilà, vous pouvez faire des petits kiffs, franchement. Allez, monte. Par contre, c'est plus dur avec le courant. Hein. Quand même de grimper. Oups. Alors ma prochaine vidéo, ça sera maison idéale pour le mode survie. C'est je vais vous montrer une maison qui est franchement idéale, mais qui a bien sûr un espace restreint, mais que voilà, on peut tenir quand même. Attention, fire! On va essayer de. Déjà, on saute au-dessus des nuages. Alors oui, je vais vous montrer, voilà, ça c'est le truc que, ça c'est le canon en fait, ça là, quand vous mettez mal la TNT, voilà ce que ça fait. Juste pour vous expliquer, vous voyez que si vous avez votre maison à côté, elle va pas trop aimer je pense. Donc voilà. Alors vous voyez beaucoup d'explosions, là c'est le canon, là... les deux trous là c'est pour les, mon piège qui est ici, j'avais déjà montré en vidéo donc je vous invite à la regarder, c'est deux pièges voilà, idéal ou je crois, je sais pas. Je me rappelle plus trop du titre hein, parce que ça commence à faire un petit nombre. Ah, arrive à monter. Hop. Ah putain. On va essayer de faire un troisième étage pour voir. Juste pour voir. Je sais pas si on peut faire. Oh putain. Je sais pas si on peut faire comme ça. Je vais regarder. Je fais un test là, les gens. Je vous avoue que là, je sais pas ce qui va se passer. Peut-être que ça va péter. Avant, j'ai essayé avec un repeater. Hein. C'était après, il y avait un bloc où on pouvait pas mettre de TNT sans ça péter. Donc, on va essayer comme ça pour voir. Je sais pas franchement comment si ça va marcher. Alors, un petit conseil quand vous voulez faire un test. Au moins de mettre un bouton, mettez un levier pour voir si la redstone passe vraiment partout. Là, je pense pas qu'elle passera vraiment partout.
comme on a vu, un petit repeater sera le bienvenu. Avant de mettre la TNT, ça c'est un conseil. Parce que... Oula, attends déjà. Un lag. Ouais. Excuse me, sir. Voilà. On remet vite fait. À la place du bouton pour le moment. Donc, hop. On enlève ça et on met ça. Et on allume pour voir si ça passe pas partout. D'accord. Donc le troisième étage est HS. Alors on va essayer autre chose parce que j'ai l'impression que ça passe pas comme ça. Là déjà ça passe partout. On va essayer comme ça. Je sais pas ce que je suis en train de faire là. On va essayer dans les deux sens. Hop. On va voir si ça pourrait faire passer la TNT partout sans qu'il y ait un repeater. D'accord, bah ça passe pas partout avec, même avec le, même sans le repeater. Donc on va foutre un petit repeater. Repeater. Par contre, ouais. Alors par contre, où il y a le repeater, faudra pas poser de bloc, ça c'est clair. Donc on va le foutre là. Hop. Là on enlève. On met notre repeater. Ah bordel! Faut en foutre deux. Pourquoi ça fait pas plus de 15 blocs là? Peut-être que si. Je sais pas. C'est le kiff que je suis en train de me faire là. Alors attends. On va placer des lampes d'Airstone pour montrer où il faut pas mettre. Ça va les allumer, c'est normal. Voilà. Donc ça, c'est assez chelou ce que je viens de faire, les gens. Trois étages. Hop. Donc, je sais, vous pouvez peut-être améliorer le truc. Vous allez me disputer si je fais le con, mais voilà. On va essayer quand même. Hop, on enlève. On met notre TNT. On va bien voir si ça marche. Hein. Puis après, je vous laisserai sur ça. Alors je vous conseille pas quand même le troisième étage. Hein. Déjà deux étages c'est magnifiquement bien. Il y a peut-être deux façons de faire le troisième étage, mais en tout cas moi, pour moi c'est comme ça qu'on peut faire. Il y aura du jardin grillé ce soir. Ouf, attends. Oula là. Ah si on peut. Hey, si là on peut. Parce que c'est dans un coin. Par contre là, non, là par contre on peut pas. Sinon ça va nous péter dans la tête et puis il n'y a plus à avoir le canon. Donc voilà, allez, on va tester. Adieu les amis. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous invite à... Oh putain, j'ai l'impression que ça pète. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À liker cette vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ça a pas pété. Voilà. Parce que j'ai en fait... Je suis confondu avec ce trou là. Voilà. Donc on aura fait un beau truc là, même si c'est le troisième étage, je le mettrai pas dedans quand même. C'est plus esthétique. Donc voilà, franchement, je vais tourner une vidéo à la suite, donc j'espère que vous aurez aimé. Je posterai les vidéos après les vacances, hein, pour pas qu'il y ait jaloux. Et donc voilà, voilà, voilà. Allez, tchuss les gens. À bientôt!